Good morning, Aleiden. Les tutos aujourd'hui, le lundi matin, on vient à Ben Chana Pegi Bat Esther, Zarabat Mazatov, Shishportish, Simon Batleoni, Michel Novikov, Elir Fouat, Norbert Abraham, Ben Fortuné Mazal, Betor Charles, Rolé Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude du Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Makot, Perek Aleph, Mishnah. Hey! Baou Acherim Vehizimum! Baou Acherim Vehizimum! Afilo Mea, Kulam Yeharegu. Rabbi Yehuda Omer, Istatitizo! Pour rappel, dans la Mishnah précédente, on apprenait la grande règle des Edim Zomemin que on avait pris le cas de Reuven accusé d'avoir tué Shimon. Vient un groupe de témoins, le groupe 1, et dit et accuse donc témoigne contre Reuven qu'il a effectivement tué. Groupe 2 vient et dit comment ? Groupe 1, pouvez-vous témoigner ? À tel jour, telle date, vous étiez avec nous à un autre endroit. On avait appris que la Torah a cru les deuxièmes témoins et pas les premiers, étant donné qu'ils ne se contredisent pas. D'accord ? C'était la Mishnah précédente, on avait expliqué ça longuement. C'est qu'ils ne se contredisent pas concrètement sur un fait, mais que le groupe 2 vient uniquement et éjecte les témoins et témoigne sur eux directement, en leur disant « Vous, vous ne pouvez pas témoigner parce que vous n'êtes pas capable de savoir, vous n'avez pas la capacité de savoir ce qui s'est passé. Vous n'étiez pas sur place. » Et de ce fait, le groupe 1 ne les contredit pas, étant donné qu'ils, dans ce cas-là, ils ont plein de statut de témoin. Un homme ne peut pas témoigner sur lui-même. D'accord ? Ce qu'on avait appris dans le premier Mishnah. Maintenant, notre Mishnah continue cette scène avec un cas original où, une fois que le groupe 2 a contredit les premiers, et les premiers même, on va les prendre, on va les condamner à mort, ce qui se passe, c'est un groupe 3 qui débarque et qui témoigne que Reuven a de toute façon tué Shimon. Et le groupe 2, il est encore là, il vous dit « Mais comment vous pouvez témoigner ? Vous étiez avec nous. » Groupe 4 arrive, vous étiez avec nous. Groupe 5, vous étiez avec nous. Ils ont fait la fête au village. Ce groupe 2, ils avaient tout le monde qui était avec eux, chez eux. Alors, Tanakama, il nous dit « Écoutez, selon les règles, à chaque fois, on va prendre les témoins, on va les analyser, on va enquêter, on va poser toutes les questions requises qu'on a prises dans Sanhedrin. Et si il s'avère qu'ils disent vrai, eh ben on va les croire et c'est tout. Même si ça a l'air très étonnant. » Entre 100 personnes qui affirment la même chose, deux par deux, ouais, 50 fois, 50 témoignages, et le même groupe de témoins qu'il y a là qui les contredit et qui dit uniquement « Vous, vous étiez avec nous, bim comploni. » Malgré tout, selon les règles de rapport de force, on doit croire le groupe 2, étant donné que le groupe 2, il va témoigner contre chacun des groupes de témoins qui va arriver, en leur disant « Vous n'avez pas la capacité, l'aptitude de témoigner parce que vous étiez avec nous à telle date, à tel endroit. » Et c'est tout. D'accord ? On va analyser, on va enquêter, et puis c'est tout, ils ont réussi. Ouais. Ça, c'est ce qu'il dit Tanakama, regardez. Baou acherim vehizimum. Sont venus ensuite d'autres témoins, et, on change, c'est fréquent, on change de sujet cette fois-ci, et le groupe 2 les a de nouveau contredits, et les ont rendus edzomem. Ensuite, baou acherim vehizimum. Aouda, nochamol. Baou Acherim, un autre groupe de témoins sont venus, et Izimum autre part. Encore une fois, ils les contredisent. Afilou Mea, même s'il y en a eu 100 groupes qui sont venus comme ça, Kulam Yeharegu, on les tuera tous. Tous les groupes de témoins, le groupe 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 100 ou 101, je ne sais pas où on en est, eh bien, on les tuera tous parce que c'est comme ça. D'accord ? À partir du moment où deux témoins témoignent sur une chose, on croit les deux témoins. Ils ont passé les filtres, toutes les enquêtes, toutes les questions, le questionnaire du Beit Din, ils ont réussi malgré tout à maintenir leur témoignage, et bien on se fonde dessus et on tue. Ça c'est la vie de Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda se fâche contre ça, et nous dit « Istatitizo ». On viendra sur le mot « istatit » ensuite expliquer la source, l'origine. En tout cas, « istatit » c'est une embrouille. C'est une embrouille, c'est un complot, c'est pas possible cette histoire. Ça sent le roussi. Alors quoi ? Il nous redit Rabbi Yehuda, Ve'ena nereget elakat harishona bilvad. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en tenir au mot, expliquer la problématique, donner la solution de la Gemara, puis ensuite on va poser le pshat du Bartenora, qui va selon Rabam, qui a c'est un cas un peu plus complexe. En théorie, Rabbi Yehuda, il nous dit quelque chose de simple. Relativement, il nous dit non, ça sent le roussi là, c'est pas possible. Ils avaient quoi ? Ils avaient la planète chez eux. Ils ont fait quoi ? La fête, ils ont fait le réveillon chez eux. C'est quoi ? Le monde entier, ils étaient avec eux. Ah, ça sent le roussi, on ne peut pas les recevoir. Et là, Rabbi Yehuda, il nous dit non.
Et là, il nous dit une phrase bizarre qui nous dit on ne tuera que le premier groupe de témoins. Soit, on reprend la scène, il y avait groupe 1, 3, 5, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, parce que le groupe 2, c'est celui qui dit que tout le monde est des menteurs. Et groupe 1 témoigne qu'il a tué, ils les ont contredits. Groupe 3, de nouveau, ils les ont contredits. Groupe 4, et Rabbi Yehuda nous dit on tue que le premier groupe. Et là, il y a un problème. Pourquoi Rabbi Yehuda nous dit de tuer que le premier groupe? Parce qu'il commence à soupçonner le groupe 2 d'avoir comploté, de faire une embrouille. Mais si c'est ça, alors on devrait même mettre en doute le témoignage contre le groupe 1. Comment Rabbi Yehuda peut-il affirmer qu'on ne tuera que le premier groupe? C'est une catastrophe. Si on a des témoins qui sont là, on commence à les soupçonner, ça sent le roussi. C'est pas clair leur histoire là. On dirait qu'ils ont été payés par quelqu'un pour le défendre. C'est flou comme histoire. Alors si on commence à mettre en doute la véracité de leurs propos, dans ce cas-là, même contre le premier groupe des témoins, il ne fallait pas les croire. Comment Rabbi Yehuda peut nous dire qu'on ne tuera que le premier groupe de témoins? Alors la Gemara propose deux réponses. Une, je vous le dis très rapidement, la première, parce que ça peut quand même aider. Bon, je vous le dis, ça va dans le Tosafot sur Tov longuement. La première solution de la Gemara, c'est de dire non, on tue personne, mais Emet. Mais si toutefois on les a déjà tués, alors on les a déjà tués. La Gemara dit, mais quoi, tu nous racontes des histoires. Ça rentre pas dans les mots. Alors là, ensuite, il y a une deuxième réponse de la Gemara qui est plus retenue, qui consiste à dire qu'en réalité, Rabbi Yehuda nous dit on ne tuera que le premier groupe, c'est-à-dire si toutefois il y a eu un seul témoignage qui est venu et le groupe 2 qui les a contrés, alors on les tuera. Mais si, donc, juste la seule première 4, s'il n'y a pas eu de deuxième ensuite. Mais s'il y a eu un deuxième groupe de témoins qui est venu témoigner ensuite, alors. Et qu'après, ils se sont mis à les contredire et tout ça, et ainsi de suite. Alors là, on ne tuera plus personne, effectivement. D'accord? Donc en fait, il faut lire la Mishnah en disant Veina ne renget ela katarishona bilvad, on ne tuera que le premier groupe, dans la mesure où il n'y a qu'un seul groupe qui a témoigné. Ça, c'est les mots de la Gemara. Il y a certaines difficultés. La Gemara, elle finit en disant que c'est un peu maladroit, c'est pas une réponse agréable. Ça se finit en kashia. Ceux qui ont déjà fait de la Gemara, ils connaissent bien. Des fois, la Gemara, elle finit kashia. On n'est pas obligé de répondre à toutes les questions dans la vie. Il y a une certaine anomalie dans la Mishnah, elle n'est pas nette, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faut l'étudier. Le problème, maintenant, je vous dis tout de suite, Barthénora, lui, il se fonde sur le Rambam, en fait, sur le Pirushei Mishnah du Rambam, il explique quelque chose de très original dans Rabbi Yehuda, et le Tosafot Yom Tov rallonge énormément pour expliquer. On va juste rapporter ce qu'il nous dit, le Barthénora, avant de le lire dans les mots. C'est qu'en réalité, on parle qu'il y a eu, que selon Rabbi Yehuda, en fait, à partir du moment où le groupe 1 témoigne contre, donc, que Reuven a tué Shimon, et que le groupe 2 vient et les rend Edzomem, c'est fini, il n'y aura plus de suite à cette histoire. Il n'y aura plus de groupe de témoins qui pourra venir témoigner que Reuven a assassiné Shimon. Genre, à partir du moment où le Bedin, le témoignage s'est transformé en scène, où on a retourné la situation, au lieu d'avoir l'accusé qui va être condamné, c'était les témoins qui se sont fait condamner à mort, dès qu'on a prononcé la sentence de condamner les témoins à mort, c'est fini. On ne recevra plus aucun témoignage de Reuven contre Shimon. Et si même le Bedin s'est trompé, le Barthénora avait l'évoqué, donc je l'évoque aussi, le Bedin a quand même reçu un témoignage du groupe 3, malgré tout, on ne tuera pas en se fondant sur ces témoins du groupe 3, étant donné qu'à partir du moment où ça peut arriver, vous imaginez bien, à partir du moment où le procès s'est terminé en catastrophe, ça a été trop chamboulé, ça sentit le roussi, alors on s'en tient à ce qu'on a eu devant nous. Un, des témoins qui ont réussi à contrer les autres témoins et à les faire condamner à mort, et c'est tout. On ne remet plus les mains dans cette histoire moche, et on ne va plus jamais recevoir de témoins pour Reuven contre Shimon. D'accord? Comme ça, le Barthénora, il explique. Il y a un long Tosafot Yom Tov pour celui à qui ça dit d'étudier. On ne le fera pas dans notre cours, bien évidemment. On fait à présent le Barthénora. J'ai une petite dette avec vous, c'était de vous expliquer le mot istatit. Il n'y a même pas rien marqué. Istacit. C'est intéressant dans l'allemand, il y a marqué istatit iso. Et lui, il écrit istacit. Bon, ça arrive. Istacit. À moins qu'il y ait marqué aussi istacit, j'ai pas fait attention. Toujours appris istatit. Je sais pas, bon, enfin bref. Concrètement, on fait le Barthénora. Ouais, dans l'allemand, c'est écrit istatit, c'est écrit ici. D'accord. Istacit. Istacit iso. On le fera quand on arrive au Barthénora, on expliquera. Afilo en mea.
Le Barthénois d'abord se rapporte à la vie de Tanakama qui nous disait, même s'il y a eu 100 groupes de témoins qui sont venus ensuite témoigner contre Réhouven, que c'est un assassin, et qu'à chaque fois le groupe 2 dit non, vous étiez avec nous, eh ben on les croira tous, afilou en mea, même s'ils sont 100. C'est-à-dire mea kitot sheidu zo acharzo, 100 groupes de témoins qui ont témoigné un après l'autre. Mais edut achat, vekat achat, que chacun a témoigné indépendamment. Et le bâton noir, il y a un ange pour exclure, ce qu'on apprendra dans la prochaine Mishnah, on va en parler tout de suite. Ve katachat ezimet kolani, un seul groupe de témoins les a tous contredits, kolani haregu. Je vous jette juste la notion très rapidement. Le bâton noir, lui, il est venu exclure. On aurait pu croire que quand il y a 100 qui sont venus témoigner, c'est 100 qui sont venus témoigner en même temps. Alors le bâton noir, il a préféré dire non, c'est pas ça, parce que ça c'est nul, ça. On apprendra dans la prochaine Mishnah. Ça n'a aucune valeur d'avoir 100 qui viennent témoigner en même temps par rapport à 2 qui témoignent. Le bâton noir, il va dire non, 100 groupes de témoins. Un après l'autre, c'est-à-dire deux par deux, ils sont venus à chaque fois témoigner, et malgré tout, on croira le groupe 2. D'accord ? Istasit iso, le partenaire il a écrit donc istasit iso, deux explications sur le mot istasit, ou istatit. Klomar, zot hakat sara vesatia. C'est-à-dire, ce groupe, c'est un mot, le mot istasit, c'est un mot composé de sara vesatia. Ouais ? Comme ben sorer ou moré, ça aussi, là-bas, c'est écrit sara vesatia. Shekach natlo etza benehem, c'est des gens patibulaires. Shekach natlo etza benehem, c'est sûr qu'ils ont comploté entre eux. Les Azim Kolaval et Haïd be'edut zot. Ils ont comploté entre eux, ils se sont dit viens, tout celui qui va témoigner contre Reuven et Shimon, on va à chaque fois dire que c'est eux qui étaient avec nous à un autre endroit. D'accord ? Pirush acher, autre explication au mot istasit. C'est pas un mot composé du mot Sara Vesatia. Sara Vesatia, donc ça fait sa, Estasit. D'accord ? Eh bien, Satia Vesara, peut-être, c'est pour ça. Autre explication, le mot Istesit, ça vient du mot Istis. Le Istis, c'est un mot qu'on rencontre fréquemment dans Jubilite, on en parle, dans Baba Kama, on en parle aussi, dans la Gemara. C'est une teinture rouge. Alors, Istasit Hizo. C'est-à-dire, c'est une fleur de... Alors, Iso, Vrie Dozo, Yora Chalistis, ça, c'est un vrai chaudron de istis, de plante. Chetsovat, Kolanogaba. C'est une plante avec laquelle on fait de la teinture. C'est une plante de nature rouge. On la fait bouillir dans l'eau, dans un chaudron pendant longtemps. Et puis à la fin, ça fait de l'eau rouge, et comme ça, on fait de la teinture rouge. Bien sûr, vous imaginez bien, tous ceux qui mettent les doigts dedans... Après, il finit par avoir sa chemise rouge parce qu'il va oublier, il va toucher sa chemise, et ça va rendre rouge tout ce qu'il y a, tout ce qu'il va toucher. Ça, c'est le mot istis. Et alors, le Rabbi Yehuda nous dit quoi ? C'est quoi cette histoire ? Ces témoins, ils sont en train de tuer le monde entier. Tout celui qui vient, qui met les pattes dans cette histoire d'accus de Réhouven contre Shimon, il va se faire tuer. C'est pas possible. Ça sent le roussi, d'accord ? C'est un joli mot d'ailleurs, le mot roussi, ça, c'est roux aussi, d'accord ? Donc Rabbi Yehuda nous enseigne qu'on ne tuera que le premier groupe de témoins uniquement, soit des virilés de Rabbi Yehuda, car Rabbi Yehuda pense de la har de itzema la katrishona. Après qu'on a rendu etzomem, qu'on a contredit le premier groupe de témoins, tout l'homme kable sa douta de katchinia, on ne recevra plus jamais de deuxième groupe de témoins pour témoigner contre Réhouven. Des Atial et Asid Batra qui viendraient témoigner ensuite, on ne le recevra pas. Vei Asheda, Vei Itzema, et si malgré tout, on a fait une erreur au Beddin, excusez-moi, et ils sont quand même venus témoigner, et que malgré tout on les a contrés, Lokatlinan là, on ne les tuera pas. Des Lokarinala, Vasitemlo, parce qu'on ne pourra plus leur accomplir le Vasitemlo Kachar Zamam, des Lokatlinan Apuma, car on ne tuera pas, on ne peut plus tuer contre. Par leur témoignage, d'accord ? Donc selon Rabbi Yehuda, le groupe 3 dans notre histoire, on ne recevra plus leur témoignage. Donc même si on a reçu leur témoignage par erreur, on ne pourra pas ensuite les condamner à mort parce qu'on les a reçus par erreur. Donc on ne devait pas les tuer, Alpi, et on ne pouvait pas tuer Reuven selon leur témoignage. Ben al-Hakir Yehuda, la n'est pas établie comme Rabbi Yehuda. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol, tout, c'est là.